Ahora. Thank you.
là-bas. C'est candidat à la commission principale de porter soin, assistance aux militaires qui sont déployés sur le terrain. Il porte également soin et assistance aux parents des militaires. Voilà, après le passage du bloc sanitaire, nous assistons au passage du bataillon de soutien logistique à la tête de ce bataillon. Le chef de bataillon, comme Alain Toroba, logisticien de Paris, formé en Afrique du Sud, il est en train de saluer les autorités à la tribune. Il est sauvé du capitaine Kitwanga, voilà, avec son gabarit de 2 mètres sur 2, c'est un logisticien, c'est l'officier adjoint de ce corps. Ce sont des administrateurs, ce sont des techniciens, ce sont des informaticiens. Ils ont été formés dans des grandes écoles. Bref, c'est la tête de pense de la maison africaine. Après le passage de ce bataillon, nous assistons au passage du bataillon des transmissions des forces de la maison africaine en cycle de à la tête de ce bataillon, le capitaine Eric Rokoko, voilà, il est titulaire d'un maître d'un-major obtenu fraîchement en République démocratique du Congo. Voilà, nous profitons pour dire Monteligi au président congolais ici présent. Voilà, les Centrafricains partent souvent étudier dans les grandes écoles du Congo. Donc ce sont des transmetteurs. Ils ont pour mission principale d'assurer la liaison entre le commandement et les unités de FACA déployées sur le terrain. Ce sont des informaticiens, des télégraphistes qui sont en train de parader. Et celui de l'administration du territoire. À la tête de ce corps, le jeune capitaine Seregaza, il est en train de saluer les autorités. Il est secondé du lieutenant. Voilà. Nous vous rappelons que le capitaine Seregaza est diplômé d'état-major. À l'école, il est à du Maroc. Il est titulaire des certificats de chef de garde et le lieutenant est le ressortissant de l'Institut supérieur de protection civile au Burkina. Après le passage du bataillon de sapeurs-pompiers, vient l'armée. Voilà, ce sont des aviateurs, leur véhicule symbolise le ciel, ce sont des aviateurs, des mécaniciens d'avion, des techniciens, ils sont formés dans des grandes écoles. De son ancienne appellation, escadrille centrafricaine créée en 1963, ce bataillon a connu ses moments de gloire dans les années 70, avec des avions comme DC-3, DC-4, Caravelle et d'autres. Elle était même la deuxième armée de l'air africaine après l'Égypte. Voilà, ce bataillon a pour mission principale la surveillance de l'espace centrafricain, le transport des troupes, l'évacuation sanitaire des blessés. Après donc le passage des aviateurs, viennent les marins à la tête de ce bataillon. Le capitaine de frégate, Giselle, il est diplômé de l'école d'état-major en Égypte. Il est suivi du lieutenant de vaisseau, Alain Ludovic Pierre Kangodi, ressortissant de l'Académie royale du Maroc, titulaire du diplôme d'état-major au Belgique. La ce corps est pour mission principale. Capitaine Laura.
centre de jeunesse, ils sont prêts pour toutes les missions que la IRJ va donc leur confier. Nous rappelons que ce peuple qui est centre de formation de Kassai est donc subdivisé en deux. On le suppose donc est commandé par le capitaine de Soumaïl qui est en train de présenter sa marque exclusive du respect, qui est en train de saluer les officiers à la tribune. Voilà, ces jeunes africains méritent le respect. Ces jeunes africains dont les attitudes sont pleines de courage méritent d'être ovationnés parce qu'ils ont jamais de venir renforcer le rang. C'est donc le dernier bloc qui continue de parader. Voilà, ces jeunes sont partis d'un plan de recrutement quinquennal prévu par la loi de programmation militaire adoptée par l'Assemblée nationale centrafricaine. Voilà, ils sont très bien habillés, ils sont très bien alignés, ils ont du jus dans les muscles, bah, très bien ballants, ils sont en train de montrer leur fierté à faire partie, en tout cas, des éléments de FACA. Après le passage du centre de formation de Kassai, vient le centre d'instruction et d'entraînement pour éviter de boire. Voilà, ce jeune fait partie du plan quinquennal de l'hôpital. Thank you.
se rend à Londres. Après le passage de 24 ans, juin 2025. C'est un temps très jeune, mais qui a fait son temps. A prononcé seulement le nom du BDC, ça fait tomber les démons. Voilà, dans la tête de ce corps, le capitaine Jean-Michel Dalgalaji, ressortissant de l'Académie royale du Maroc. Il est ressortissant de l'école d'application infantile en Afrique du Sud. Le bloc masculin de la police est donc commandé par le lieutenant colonel Galan.
précisons donc que le concept de 50-50, le concept de genre n'est pas aussi un vrai mot au sein de la police nationale. Le second bloc de la police a bien également dans le bouton pour d'éventuelles missions. Voilà, elle est commandée par le lieutenant Yandoka, qui a en train de saluer les officiels à la tribune. Il est ressortissant dans le camp de la police au Maroc. Voilà, il regarde comment ils sont en train de marteler le sol. Le sol même de leur pied de faire tomber les démons. Voilà, ils sont là, ils me redressent. Ces policiers que vous voyez passer. Après ces policiers, viennent les éléments de Dieu et Fouret. Commande en tête le colonel. Yeah.
éléments de sapeurs-pompiers. Couple donc le défilé de la troupe, met un terme, elle fait éteindre les lampions sur le passage de la troupe. Dans quelques fractions de seconde donc, nous allons assister au passage motorisé. Et le défilé motorisé va donc devoir commencer. Et donc c'est les cuisses érigées que vous voyez, constituent un des divers dons de la part de nos partenaires. Thank you.
de bataillon, Idame Silas, qui est en train de s'appeler. Il a fait toutes ces études de transmission comme chose. C'est lui qui est en train de saluer à la tribune. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, la transmission, c'est l'arme qui unit les autres armes, c'est l'arme qui unit les unités de bataille déployées sur le terrain et le commandement. Voilà, ils sont en train de faire une belle démonstration. Qui sont en train de parader. Là, j'adore.
autorisé, voilà, avec ce local que vous voyez. Hein, il a autres autorités qui étrangères qui viennent ici et les autres autorités du pays. Voilà. Après le passage de ce local, nous allons donc assister au passage. Thank you.